Allez, le Ok, on métro. reprend le métro. Allez, reviens-toi. Hop là. On y est. Et là, l'image est beaucoup plus claire. J'espère que ça va bien m'aider. On va reculer un peu. Alors, ça va venir d'où encore les merdes là. À gauche. Ok. À gauche. À droite. À gauche. À gauche. Faut faire peur, faut faire peur, faut faire peur. À gauche. On saute. Ouais, nickel. À droite, à droite. On glisse. Hop là. On glisse. Voilà, ça fallait sauter. Merde. À droite. On glisse. Oh. On glisse. Non, j'ai glissé, j'ai glissé. J'ai pas glissé assez fort, on dirait. Et là, ouais, il a failli que je saute, en fait. Et ouais, et ouais, et ouais. J'ai vraiment pas le choix. Il faut vraiment que je saute sur l'autre. Quel dommage, j'avais encore assuré. Ah! Un peu tard, un peu tard, un peu tard! Un peu tard. Le métro, effet le métro. Allez, 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 motivé, motivé, motivé. Je suis dessus, ouais, je suis quasiment à l'arrière. Droite. Gauche. On reste à gauche. Ça, à mon avis, c'est quand il freine qu'il faut sauter. Bon. À une marge très courte. On se lance. On glisse, merci. On glisse, oh non, on saute, désolé. À droite, on glisse. On glisse encore, à gauche. On freine. Non, faut pas. Je fais quoi? Non, c'est pas vrai! Qu'est-ce qu'il faut que je tente encore? Qu'est-ce qu'il faut que je tente encore? Ça va être au poil de cul encore le truc! Allez, allez. Ok, un petit saut, tout va bien. Ah, j'ai pas le temps. Oh, mais zut! Mais faut que je fasse quoi? J'aurais au moins me coucher là, en réussissant ce truc là. Un minimum les mecs, un minimum s'il vous plaît. Un minimum. Mais je comprends pas ce que tu me dis, il y a trop de bordel autour. Parle plus fort. T'es mignon. C'est jamais le même en plus, c'est chaud. Ou alors faut attendre qu'ils reviennent, on fait quoi? Oh. Le métro, et c'est le métro.
J'ai pris le train, ouais, mais moi je l'ai pris dans la gueule, hein. On va reculer à mort. Au moins j'aurai le temps de voir arriver le truc. Hein. C'est quand on est à la même vitesse, je vais pouvoir changer. Oui, je l'ai fait, je l'ai fait. Ah, puis je me prends deux trucs. On se calme, on se calme. On saute, ouais. Allez, on reprend les rênes, on reprend les rênes. Oh la vache. C'est bon. Ok, putain, je suis pas mort, heureusement. Bon. Une autre âme arrive derrière toi, tu ferais mieux de filer. Ok. Wow. Bien joué, ma fille. Bravo. Ouais, bah merci, hein. C'était pas sans heure. Eh ben... Il y a des gens. On va se fondre dans la masse. Et toi, tu siffles. Chut. Eh ben voilà, enfin. Allez, on se regarde la petite cinématique. À quoi tu penses ? Et dodo. À un meurtre. Ah ? Ouais. Pope. J'ai trouvé une piste pour demain au centre commercial New Eden. J'irai y faire un tour. Hey, Faze, pourquoi tu fais ça ? C'est pas nos affaires, nous. Je sais pas, on reste à l'écart. Quand j'étais gamine, je me rendais pas compte de ce qu'était cette ville. Mes parents, oui. Enfin, ils savaient qu'elle valait la peine d'être protégée. Pope connaissait mes parents. Les manifestations, les pressions. Il nous emmenait quelques mois. Mais je comprenais pas vraiment l'intérêt à l'époque. C'était un jeu. Merck m'a dit pour ta mère. Elle est morte dans les émeutes du centre-ville. Une manif qui a mal tourné. C'est rude. Après ça, on s'est quasiment perdu de vue. Mon père ne se l'est jamais pardonné et j'ai quitté la maison peu après. Sans lui avoir vraiment pardonné non plus. Et t'as rencontré Merck ? Il m'a surprise en train de le cambrioler. C'est vrai ? Il m'a jamais dit ça. Il m'a prise sous son aile. Je voulais sortir de la rue, alors j'ai dit oui. C'était l'occasion rêvée pour moi. Ouais, mais aujourd'hui, Faze, tu devrais arrêter de risquer ta vie comme ça. Ils ont piégé ma sœur, Céleste. Je peux pas rester sans rien faire. Je lui dois au moins ça. Je survivrai. Comme toujours. Ta survie, c'est un peu surfait. Tu devrais prendre le temps de vivre. Dis, tu viens avec moi demain ? Ça m'aiderait bien. Non, Drake a du boulot pour moi. Tant pis pour le shopping. Faze, je dois y aller. Vas-y. Je sens qu'on va pas tarder à nous tirer dessus. Ça ira. Bah oh ouais. Une journée comme une autre. Faze. Fais gaffe. Bah ouais, on va faire ça. Mais on va faire ça la prochaine fois. Eh ben voilà. Le centre commercial est droit devant toi. Juste une chose, il paraît que Callaghan est en visite pour sa campagne électorale, pas très loin. Du coup, le quartier est complètement bouclé. Eh, on va un peu le décor pour la prochaine, ouais. Oh, il y a un air de petit déjà vu quand même. Allez, coucou les loulous, enfin, plutôt bonne nuit. Et à la prochaine sur Mirror's Edge. Parce que je compte pas en rester là. Allez, tchuss.